Je vous présente François, professeur agrégé de lettres à Henri IV, l'un des meilleurs lycées de France. Pénélope, 5. On s'ennuie beaucoup à vous lire, vous savez. À Paris, on limite encore les dégâts, mais en banlieue. On y parachute des jeunes profs totalement inexpérimentés, alors au contraire, il faudrait nommer des professeurs expérimentés. Agathe Kaufmann m'a parlé de votre envie de vous faire muter dans un collège de banlieue. Petit conseil avec les élèves, fais-toi respecter tout de suite. Je m'appelle François Foucault. Mais Jean-Pierre Foucault. Ça suffit. Pourquoi ils font toujours ce... Le chip. Allez vous asseoir à votre place. Où est votre carnet? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Je suis pas votre chien. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Dès qu'on t'a vu arriver ici, là, dans le collège, on a vu tout de suite que t'allais droit dans le mur. Et maintenant, t'es là, t'arrives, tu nous fais des leçons de morale. Et d'où est-ce que vous allez passer une heure de colle? J'ai fait quoi? 2 heures de colle. Mais j'ai rien fait. 4 heures. Bon, toi, ça se passe bien? Ah, moi, c'est parfait, c'est de pire en pire. 100 days! Ce collège, là, ces gamins, j'en peux plus. Là. C'est impossible de leur faire cours, j'y arrive pas. Ils accumulent les mauvaises notes, les humiliations, donc ils se croient idiots. Toi, tu te rends pas compte. 100 nights! Mais c'est pas aller pisser. Sur la tête de maman, je vais te pisser. On va faire un petit exercice de grammaire. Il fait chier avec sa grammaire. Ce qui nous donne, j'ai envie de pisser ou sur la tête de ma mère. Ah, faites le travail qu'on vous demande. Tout ira bien, vous verrez. Je m'excuse, monsieur. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Non, c'est moi, je m'excuse.